Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de boîte. Donc, une ouverture de boîte de tank américain. Donc, c'est le Sherman. Donc, c'est l'un des tanks les plus utilisés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a été utilisé pratiquement sur tous les fronts, que ce soit sur la bataille de Normandie, dans la bataille de l'Est avec la Russie, ou encore dans les missions d'Africa Corps. C'est quand même quelque chose qui a été utilisé dans tous les champs d'opération. Donc le Sherman, à savoir, il a été construit environ dans les 50 000 unités. Pour ça que ce tank a été beaucoup utilisé. Et donc il a été utilisé par tous les pays alliés, du moins, hein, que ce soit la Russie, l'Angleterre, les Américains et j'en passe. Hein. Donc il y a eu plusieurs versions. Donc là c'est le M4A3, il y a eu le M3, il y a eu le M2. Alors à chaque avancée de ce tank, il y a eu des améliorations mineures ou majeures, hein, parce que c'était pas un tank qui était, on va dire, parfait, loin de là, mais par contre, comme il était en surnombre, eh ben, c'était plutôt pratique pour les alliés, parce que dès qu'il y avait, par exemple, un trou d'obus ou une chenille cassée ou quelque chose comme ça, ils avaient un tas de stocks de rechange, et donc du coup, ça facilitait l'équipage à reprendre un autre Sherman quasiment 2 jours après, quoi, hein. C'est pas comme les chars Tigres. Les Allemands avaient fait des chars Tigres qui étaient en tout point supérieurs au Sherman, mais par contre, au niveau dépannage, c'était pas le top. Donc, quoi dire? Ce tank, il a un canon de 75 mm. Alors, c'est inférieur à ce que les tanks allemands avaient, hein, donc, il fallait qu'il soit quand même assez près de ses cibles pour faire mouche. C'était plus un tank pour appuyer l'infanterie. Donc voilà à peu près au niveau historique. Après, il y a eu, à savoir au niveau des moteurs, hein, suivant les versions, le premier, le M4A1, c'était un moteur d'avion. Ensuite, il y a eu, donc la caisse était coulée, donc coulée d'un seul bloc. Donc ça, c'était la première version quand la guerre n'était pas encore déclenchée avec les États-Unis. Et donc après, il a fallu adapter la chaîne de production pour fournir en nombre ce tank. Donc ils ont commencé à souder les parties devant, les parties de caisse pour que ça soit plus rapide au niveau de la fabrication. Ils ont changé les moteurs, ils ont mis des moteurs de bûche. Alors ça peut prêter à sourire, mais c'est la deuxième version. Ensuite, ils ont eu un moteur à refroidissement liquide et puis. Enfin, moteur Chrysler, donc moteur de voiture, 6 cylindres en ligne. Également, la caisse à munitions était assez exposée. Pourquoi? Parce que le blindage était relativement faible. On avait à peu près 5 cm de blindage. Et donc n'importe quel tank allemand pouvait traverser ce blindage. Et donc malheureusement, ce tank a eu une très mauvaise réputation au niveau des équipages. Parce que généralement, quand un obus perforant traversait le blindage, ça mettait feu à la caisse à munitions qu'il y avait à l'intérieur, et donc tout l'équipage, généralement, était mort dans le tank. Donc voilà à peu près, quoi d'autre? Il a été mis en opération, pas cette version-là, mais la première version en 1942, donc jusqu'à la fin de la guerre. Et puis après, une fois que la guerre était finie, d'autres pays, l'Israël, etc., ont pris la base de ce tank et amélioré, par exemple, le canon, amélioré, les suspensions, etc. Donc, on va voir tout de suite, le kit. Donc, c'est un kit Tamiya en 1,35. Donc, le kit est plutôt bien fourni parce qu'il y a le char, il y a des figurines, donc il y a 4 figurines. Et puis il y a aussi tous les paquetages qu'on peut retrouver sur le derrière du tank. Donc ça, c'est intéressant.
Donc là, on a la vue côté, hein. Donc il y a plusieurs versions là. Il nous propose en fait deux versions qui ont participé à la guerre des Ardennes et une autre version aux Philippines. Voilà, donc le petit contenu avec les armes, les caisses, la munition, les jerrycans, etc. Donc, on va ouvrir la boîte. Hop. Donc là, pas beaucoup de grappes comparé au bateau que j'ai fait le unboxing il n'y a pas si longtemps. Donc ça, ce sont les grappes pour les figurines. Là, on a tout ce qui est chenilles, barbotins et puis les galets. Tac. Là, on a les petites munitions qui vont aller sur les figurines. Donc, on a les pelles, les machins. La caisse. Donc, la caisse sur cette version-là était inclinée un petit peu plus que la version de départ. Justement pour faire ricocher les obus des autres tanks. Le châssis. Voilà, bon, rien de très sorcier. La planche de décale, on verra tout à l'heure. Alors, petit point noir déjà sur ce kit. Ce n'est pas une chenille maillon par maillon, mais c'est une chaîne en vinyle. Donc on verra bien si on arrive à la travailler pour que le rendu soit pas mal, mais bon, généralement c'est pas tip top. Donc après on peut toujours adapter des chenilles de marques différentes, hein, des chenilles Friul par exemple, qui sont en métal, etc. Mais bon, le kit n'est pas trop cher, donc on va essayer de faire un résultat correct. Donc on va attaquer avant le déballage des grappes. Hop, je mets ça sur le côté. Avant le déballage des grappes, on va regarder un petit peu ce que nous propose la notice. Donc je vais faire mon petit zoom. Hop là. Voilà, là c'est pas mal. Donc première page, une photo, l'historique du char Sherman. Hein. Bon, en quelques lignes, hein, parce que le Sherman. Comme je vous l'ai dit, il a participé à énormément de batailles, donc du coup, c'est pas facile de résumer ça en quelques lignes. La liste des couleurs à appliquer sur le tank, donc la couleur principale du tank, c'est de l'olive drabe, donc c'est la couleur utilisée par les Américains, que ce soit sur ce tank ou des camions de renfort, etc. C'est vraiment un vert kaki utilisé. On va dire par nombre de véhicules à cette époque-là. Donc première étape, on s'occupe des barbotins. Également, on peut faire des poulies. Alors bien entendu, hein, il y en a de chaque côté, donc ça multiplie le nombre d'assemblages. Donc ça, une fois que c'est fait, on attaque la partie numéro 2. Donc la numéro 2. En fait, on vient coller donc les assemblages de la suspension. Hein. Donc là, c'est la suspension classique. Il y a eu deux suspensions. La suspension HVSS, si j'ai bonne mémoire, qui était plus souple en tout terrain. Là, celui-ci, c'est la normale. Donc, on vient mettre ça dans la suspension. Alors, par contre, après, il nous demande d'assembler. Donc là, je vais faire attention de ne pas coller ça à la cyano ou de la colle, on va dire, dure. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je vais peut-être le positionner au début, mais au niveau du travail de peinture, weathering, il faudra l'enlever parce que sinon, on va voir le contour de la pièce. Donc du coup, je ne vais pas l'assembler, on va dire, définitivement. Donc ensuite, on vient s'occuper de l'assemblage supérieur de la coque. Donc là, il nous demande en fait de mettre un petit support pour coller le chef de tank, chef de char. Lui, il va venir sur le dessus. Donc d'ailleurs, on le verra un petit peu plus loin. La cinquième partie, ce sont des chenilles à
accolé donc sur le châssis, hein. Les équipages avaient toujours des maillons de chenille en plus, hein, au cas où qu'il y avait des mines, des choses comme ça. Ensuite, on a tous les petits outils, les pelles, les haches, les manivelles, tout ça. Donc on verra si j'assemble, que je fais ma peinture et ensuite que je reviens travailler au pinceau chaque détail. Mais si ça peut venir se coller par la suite sans aucun problème, on viendra les peindre séparément et on viendra les coller à la fin. C'est plus pratique, comme ça on peut travailler à l'aérographe sans aucun problème. Ensuite on continue, donc on a encore des accessoires. Alors là, on a des petits équipements de phare, etc. D'accroche, hein, d'accroche métal. Si le tank était endommagé, il fallait bien qu'il se fasse tracter. Là, on a la position aussi comment je vais appeler ça? Des trappes, pardon. Des trappes qui sont soit ouvertes, soit fermées, suivant si on met les figurines à l'intérieur. Donc ça, je pense que je vais en laisser une ouverte pour mettre une figurine dedans, hein, comme sur la photo. Et puis on va voir, on verra, hein. De toute façon, rien n'est fixé comme on dit. L'étape 8, on attaque la tourelle avec le canon. Donc le canon, je ne sais pas si c'est en deux morceaux. Donc on vient fixer tout ça. Là, il y a encore des petits détails sur la tourelle. L'armement, donc la 12-7, hein, la mitrailleuse, hein, sera posée à la fin, parce que c'est toujours des petits détails. Si on les met avant, on aura toujours l'impression de les casser. Enfin, pas l'impression, mais on va avoir vraiment, en manipulant le char, la casser. Donc là, on a toutes les caisses, les bidons à assembler. Et puis donc vous voyez, ça vient se mettre sur l'arrière du char. Donc ça servait de transport aussi également. Et puis ça pouvait protéger la partie moteur, partie blindage. L'étape numéro 16 est intéressante. C'est ce qui concerne tout ce qui est figurines. Alors là on a un mitrailleur et des carabiniers. Donc c'est plutôt un gros travail. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est à faire au pinceau, bien entendu. Donc je vais utiliser des pinceaux extrêmement fins, de la peinture énamel en Tamiya et de la Valero. Parce qu'il y a des peintures qui sont peut-être plus faciles à travailler en acrylique Valero que de la Tamiya. Je n'ai pas de parti pris, hein. C'est simplement mon expérience qui fait que, par exemple, du blanc, j'ai testé du blanc en énamel et de l'acrylique en Valero. Je me suis rendu compte que le blanc passait mieux sur le Valero, par exemple. Donc après, chacun fera comme il voudra. Donc là, on a un petit détaillage de ce que l'armée était équipée, hein, donc au niveau vestimentaire. Des manteaux, des bottes, parce qu'à savoir que la bataille des Ardennes, c'était quand même l'hiver, et donc du coup, on pouvait pas y aller en short, naturellement. Donc on a 17 étapes pour faire ce char avec les figurines. Dernière page, c'est la page, donc les markings, hein, ils appellent ça, donc la livrée du tank. Donc la première livrée, c'est la livrée A, ce qui concerne la 6e division armée en janvier 45. Donc celle-là me plaît bien parce qu'on a l'étoile américaine, hein, plus des infos sur le côté du tank, alors ce qui correspond, je suppose, au régiment, au bataillon, etc. Celle-là me plaît bien. Dans le même style, toujours en janvier 45, on a la 69e bataillon au niveau des tanks. Donc là on n'a pas les inscriptions sur le côté. Par contre on a un gros sticker là 50. Hein. Donc je me tâte, mais à mon avis je partirai sur la livrée A.
Et puis la dernière, alors la dernière est franchement dépouillée de toute info au niveau autocollant, au niveau décal. On a juste une tête de loup, hein, et puis cette petite information-là, bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de... Celle-là me plaît moins. En janvier 45 aux Philippines. Donc il nous propose trois livrets, donc moi, à mon avis, ça sera dans les Ardennes. En plus, je suis originaire des Ardennes, donc bon, pourquoi pas s'appliquer. Allez, on continue. Donc, hop, pardon. Là, on a le chef de char. Donc, où c'est qu'on a placé la petite grappe en dessous pour qu'il soit bien maintenu. On va déballer les grappes. Donc, ça, je vous l'ai montré, hein. Bon, moi c'est propre, hein, y a pas de... on voit bien, là il y a des petits réveils. C'est propre, il n'y a pas de trou comme le char de... le tank de Thierry, le M41. Donc ça c'est déjà une bonne chose, moi qui n'aime pas le mastic. Au niveau de la caisse, on a les grilles pour accéder au moteur. Donc là on a plein de petits trous, ce qui correspond aux accessoires, hein, qu'on va mettre dessus. Donc on verra si l'emplacement, on va dire, s'il n'y a pas de défaut, une petite retouche à faire. Hop là, si je m'agrippe le doigt. Ah ben voilà. J'ai gagné une agrafe dans le doigt, ça fait toujours toujours plaisir. Même les unboxings, il faut faire attention. Donc là, on a quoi? Là, on a des petits joints silicone, ce qui fait correspondre au galet ou au barbotin. Donc justement, les voici. Donc les barbotins sur la notice, ils nous expliquent qu'il y a eu deux versions. Donc celle-ci et celle-là. Donc à voir avec la version de la 6e division. Les suspensions. Donc bon, bah c'est propre, hein. Il n'y a pas de problème. Tout est beau. Deuxième grappe qui était avec. Donc là on a des parties de la tourelle. On a également les munitions. Le M15. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est une partie qui va venir sur le derrière du char. Bon, c'est plutôt propre. Donc là, je suis à deux grappes. Tac. Donc comme ça permettra aussi de varier un petit peu le contenu de la chaîne. Donc là, on a le chef de char. Vous voyez, il était coupé en deux. On a également les bidons, les maillons de chaîne, les casques. Alors les casques sont relativement petits. Et là, ce qui est intéressant sur les sacs, c'est qu'on a des profondeurs, donc on va pouvoir travailler avec un petit peu de jus, etc. Ça peut être sympa. Tac. Là, on a l'impression que c'est la même chose. Ça ressemble du moins. On arrive à la toile. Donc il n'y a pas énormément de grosses pièces. On a plein d'accessoires. Mais les grosses pièces, il n'y en a pas tant que ça. Ou c'est peut-être une impression parce que après avoir déballé le cuirassé, là j'ai l'impression que c'est plutôt calme. Enfin plutôt calme. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc au niveau de la toile, vous voyez, j'ai un revêtement, c'est pas lisse. Alors ça, c'est, je sais pas, c'est un, bon, je pense, c'est fait exprès. Ça correspond, on va dire, comme de l'usure du métal. Ça, c'est plutôt bien. Ça va donner un bon relief. Là, on a l'épiscope, si je fais pas erreur. Les trappes, et puis donc ça fait partie de la tourelle. Par contre, j'ai toujours pas vu le canon.
Ou alors, attendez. Si le canon, il doit être là. Il semblerait que ça soit le canon en une pièce. Ça, c'est un bon plan. Parce que quand le canon est formé en deux morceaux, bon, naturellement, on vient le coller et puis après, on vient faire la ligne de jonction au mastic. Donc là, apparemment, c'est d'un seul tenant, c'est plutôt bien. Les autres grappes, on est déjà à 20 minutes, je parle de trop. Les autres grappes correspondent donc là aux figurines. Et puis là, on a plein de petits carrés. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être les boîtes à munitions. Ouais, je suppose que c'est les boîtes à munitions et les caisses. Alors, ils auraient pu les faire d'un seul bloc. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne au niveau du visage. Vous voyez? Alors, ça vaut pas les spécialistes de figurines, hein. Il y a des fabricants de figurines qui font nettement mieux au niveau moulage. Bon, on verra bien. De toute façon, on peut toujours essayer. Alors, je compare. Allez, les têtes, là, j'ai deux têtes différentes. À vue de nez, ils ont la même expression. Bon, on va voir si le troisième ça ressemble. Alors, j'aurais pu ouvrir les sacs avant. Tac, alors, tac. Donc là, on a les bustes, les pieds. Elle est où la tête? Elle est là. Ouais, j'ai l'impression que le. Au niveau de la tête, ils ont tous la même expression. Donc après, avec le casque, avec la peinture, peut-être ça varie un petit peu. On verra au moment venu. La dernière grappe, vous voyez, c'est énormément de petites pièces. Donc là, c'est pareil, c'est les armes à feu, les bidons, les casques, les pelles, les couteaux. Bon, donc pour résumer, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, oups, six, sept, huit, neuf grappes. Donc, neuf grappes et les deux parties de châssis, donc ça fait 11. Voilà ce qui vous attend sur la chaîne. Donc, ça sera en parallèle du Bismarck et en parallèle de la Supra, je vais tenter ça, de monter un petit peu un coup voiture, un coup tank, un coup bateau, pour essayer de diversifier la chaîne, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le militaire, je peux le comprendre, il y a d'autres personnes qui font que du militaire, et donc du coup ça changera un petit peu, et puis comme le Bismarck, ça va être un montage très très long. Il me faut un kit, pas de défouloir, mais un kit, on va dire, un peu plus simple, qui va me permettre de varier, on va dire, mon plaisir. Parce que vous le savez, hein, quand vous faites de la maquette et que ça commence à vous énerver, faut mieux pas continuer. Donc au lieu de rien faire, ben, au moins ça m'occupera. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette revue de boîte de nouveau montage, donc le Sherman M4, et puis on se revoit bientôt justement pour l'assemblage, la peinture de tous ces kits. Peut-être j'aurai un troisième kit à vous présenter, mais pour l'instant c'est pas encore sûr. Donc déjà ça, on se retrouve après mes vacances, donc d'ici environ une semaine maintenant, une semaine, deux semaines à peu près, pour attaquer tout ça. Voilà, au plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Merci les pouces en l'air. Ciao. Bye bye.